Et bonjour, donc nous voici pour la présentation de la série des jeux, donc Théorie 11, The Beatles. Donc on a quatre couleurs, le bleu, l'orange, le vert et le rose. Et on va parler Donc on va parler du rose, c'est parti. le pink sur le site, c'est marqué pink. Exactement. Allez, donc comme son habitude, on va commencer par vous montrer la face de l'étui ou le dos, peu importe, hein, on s'en fout, enfin la face. Donc on voit des petits liserés dorés. C'est un jeu qui est gaufré. Donc si on le touche, on sent bien qu'il y a du relief. Donc c'est vrai que ça fait toujours des belles qualités sur ces étuis comme ça, parce que ça fait très très joli, très propre. Allez, de l'autre côté, on a le dessin que va représenter la carte à l'intérieur sur le dos de la carte. Bien évidemment, les couleurs, ça sera que du rose. Mais là, pour faire beau, ils ont mis les couleurs qui sont en plus à l'intérieur aussi des inscriptions des index. Donc voilà. Derrière, au cul de l'étui, on a donc Premium Playing Card, donc une carte de première qualité. Et c'est fait par, enfin c'est fait, produit par Théorie 11. Ici, on a l'image des quatre Beatles là qui, comme a dit Thierry, qui marchent, qui traversent le passage clouté. C'est la fameuse Voilà. jaquette très connue. Hop. Et voilà. Allez. Donc à l'intérieur de cet étui, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc l'intérieur est rose, tout simplement. Et c'est parti. Donc au premier coup d'œil, hop. Donc déjà. Alors les cartes, parce que ça va être comme toutes les autres couleurs, hein. Il n'y a pas de carte bien spécifique à l'intérieur. Là, il y a juste deux cartes publicitaires. Et le jeu, ensuite. Donc quand on étale, on voit ça au premier coup d'œil. Donc on voit tout de suite que les marges sont quand même assez régulières. De chaque côté. Donc ça, c'est quand même sympa. On a des jeux, malheureusement, qui sont imprimés. C'est quand même rare, mais ça arrive, qu'ils sont imprimés où les marges sont pas très très bien centrées, et c'est dommage, ça fait moins joli. On a nos deux jokers qui sont strictement identiques. Alors bien évidemment, les jeux sont tous identiques, hein, sur le bleu, l'orange, le vert et le rose, mais comme ça on vous les montre un par un, c'est que mieux. Et c'est parti, on attaque avec la série des piques. Les as, on les met de côté, et on commence. Donc les piques et les trèfles sont noirs, les cœurs et les carreaux, pardon, sont rouges, hein, donc on voit ça quand on étale. Donc il n'y a aucun souci, hein, pour du public profane qui connaît pas, on voit tout de suite la différence des quatre symboles. Même si on n'a pas l'habitude, nous, de ce fameux design, il n'y a aucun souci, on voit bien quand même ce que c'est. Si je vous l'étale dans le sens là, voilà, au moins vous les avez dans le bon sens. Donc au premier coup d'œil, c'est bon, on reconnaît la carte, il n'y a pas de souci. Voilà. Comme moi, j'ai horreur des jeux où on ne reconnaît pas les cartes. Là, je préfère le dire, c'est très bien. Allez, donc c'est parti, le 2 de pique. Donc du noir avec du bleu à l'intérieur. Hop. Donc c'est vrai que sur la plupart des jeux, maintenant qui sortent, ils mettent des cartes double dos ou double face de couleurs différentes. C'est vrai que là, sur ça, ils n'y sont pas. Et c'est dommage parce que vu la beauté des jeux, ça aurait été sympathique qu'il y ait une carte au moins double dos pour faire un change de couleur de jeu ou une routine spécifique. Là, sur ça, c'est dommage. Une fois qu'on a la chance d'avoir une série de cartes avec quatre couleurs bien flashy. Hop, j'ai peut-être dû sauter des trucs, non? Non, c'est bon. Hop. Donc là, bien sûr, donc les rouges sont pas rouges, elles sont oranges, hein, comme on peut voir, avec du vert à l'intérieur. Comme disait Lennon, Paul McCartney, Alan Harrison. George Harrison, pardon, et Ringo Starr pour les quatre Beatles. J'allais te poser une question, mais c'est peut-être une colle, c'est qui la femme? Oui, parce que c'est une dame, Et oui, peut-être c'est du coup. comme je connais pas leur histoire, peut-être c'est une dame
une des femmes qui suivait partout, une femme de Lennon ou un truc comme ça. C'est qu'une femme. Eh oui. Ah, moi, je connais pas de toute manière. Une dame de, de passage. Et souvent, sur les photos perso, il y a une femme brune avec eux. Voilà! Donc les as, comme son habitude, hein, toujours bien décoré. L'as de pique est toujours plus gros que les autres. Donc c'est, ça doit être un phoque ou un morse ou je sais pas quoi. Non, un morse non, puisqu'il n'y a pas les... Ouais, un phoque ou une notarie plutôt. Voilà. Raton laveur. Je veux pas dire une bêtise. Ouais, ça y ressemble. Un poulpe. Ou une pieuvre. Et un oiseau. Une hirondelle, peut-être. Vu comme ça du dessus, c'est difficile à dire. Bref. Voilà, donc ça, c'était une petite présentation, au moins vous l'aurez vu, du jeu The Beatles en rose.